Ouais, le ballon qui est ressorti. Il est dans les pieds de Granit maintenant. Pour Salim Arash. Arash qui centre fort pour Forêt. Oh, quel arrêt de Rommel. Énorme occasion pour les Rémois, mais quel très très bel arrêt de Christophe Rommel. Sur ce grand mouvement collectif, regardez Arash qui sort. Arash il va vite. Il est bon hein, le centre. Ouais. Forêt, il fait bien ce qu'il faut, il se couche. Là du pied. En plus, il donne un peu de puissance au moment où il se couche. Hein. Là, il... Regardez comment il rentre, regardez, boum, avec le plat du pied. Ça avait démarré donc très très bien avec ce coup franc dévié par Hervé, le franc de Salim Arash. Il est rebelle, trompé, il est carrément lobé. Hein. Ah oui, il est sur la ligne, mais il est presque plus que dévié, il est carrément... La force est comme tout abandonné. J'ai survécu jusqu'ici. Oh oh. C'est pas pour tout recommencer. Je suis tous à la recherche. Oh là, il y a un bon ballon en contre. Oh, il y a un bon ballon en contre. Pour Arash, Arash qui va se présenter tout seul pour le 2 à 0. Et le doublé pour Salim Arash. Le deuxième but. Il faut un début de seconde période. Parfait, les Rémois. On va revoir au ralenti. Quel placement, quel mot. De marteau. Oh là là, quel mauvais placement. Et si Salim Arash avait besoin d'un match pour se réconcilier avec le public, et bien là ce soir, c'est le bon. Oh mais on va revoir quel placement de marteau qui doit couvrir à l'intérieur sa défense centrale. Le ballon de Granit, il est bon. Hein. Oui, il est bon, mais regardez où se trouve marteau. Il laisse le joueur à l'intérieur. Ouais. C'est incroyable. Et il a le sang-froid après de venir mettre le bon plat du pied. Salim Arash résiste à la pression qu'il avait dans son dos. Ah, il fixe bien le gardien, il voit le placement avec le bon plat du pied. Sur un joueur qui revient de dessus, voilà, peut-être. Espace de Samaritano. C'est un ballon pour Salim Arash. Toré. Ah, il rate sa talonnade. Ah, s'il a un peu plus, un petit peu plus forte sa talonnade, Toré, c'est un super ballon pour Arash. Tout à l'heure au micro, à la fin de la première période, vous avez entendu Salim Arash, oui. Ses propos me reviennent, il dit qu'on sera tous concernés même si on doit jouer 65 minutes. Donc, c'est-à-dire lui-même sentait qu'il n'irait pas au bout. Ouais, alors est-ce que ne pas le laisser parce qu'il a l'occasion peut-être d'aller chercher ce troisième but? Il doit plus penser comme vous, peut-être Fortes. Peut-être qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, hein, tout simplement. Ouais, hein. Ouais, et puis encore des matchs. Voilà, Younous Sankaré avec Gagnette et Camille Seco, mieux Fortes, Granit, Forêt devant. Alors Salim, votre sentiment là sur cette première mi-temps, c'est une première mi-temps qui est assez réussie, en plus c'est un coup franc avec pas mal de réussite aussi. Ouais, avec le coup franc pas mal de réussite, on en a besoin en ce moment, on est bien en place et maintenant il faudra faire attention à la deuxième mi-temps et si on peut mettre un deuxième pour être bien dans cette fin de match. Ouais, là ça va être quoi? Il faut continuer à mettre la pression, il vient d'où le danger là du côté de la... Comme l'a dit le coach, pendant 90 minutes il ne faut pas lâcher, il faut tout donner, il y en a qui vont rentrer, donc il faut tout donner, mais si sur 1h, 65 minutes, ben... On va faire le maximum. Individuellement, c'est un coup franc qui te réconcilie un peu avec le public, c'est une bonne chose pour vous. Ça fait pas mal de temps que je me suis mis bien à bosser, depuis que je suis revenu, donc c'est bien pour tout le monde et j'espère que voilà, ce sera un nouveau départ. Peu importe qui tu es au monde, lève ta main et crie victoire.